On a déjà plus de vie. Un pensionnaire de Pitigny. Bon, ben c'est encore un rendez-vous important pour Pitigny avec les championnats des Hauts-de-France tout le week-end. Là. Hier, on a vu les jeunes qui se sont affrontés toute l'après-midi sous la pluie. Alors, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est la première fois qu'on recourt là depuis qu'il y a eu les travaux sur l'île. Donc c'est un moment important pour nous. On a dû un peu modifier le parcours parce que forcément on a dû retirer des portes pour pouvoir laisser passer les grues. Donc aujourd'hui on a de la chance, on a du soleil. Challenge René Jarnoux aujourd'hui. Il nous a envoyé un peu de soleil, on le remercie. On a 186 participants aujourd'hui et on a eu une cinquantaine hier chez les jeunes. Donc on est assez content de la participation de tout ce monde-là. On a pas mal de monde. Aujourd'hui, on a un peu de gratin parce qu'il y a une partie de l'élite de l'élite française qui est ici, de la région Nord, qui aujourd'hui se bagarre les uns les autres sur des centièmes de seconde, on va dire. Le parcours est très sélectif, hein, c'est pour ça que si on se rate avec le niveau d'eau qu'on a aujourd'hui sur une porte, c'est compliqué d'aller la récupérer. Voilà, donc j'espère que le beau temps va résister jusque ce soir et que nos compétiteurs seront heureux de leur journée ici à Pitigny. Voilà. Merci Philippe et à la prochaine. À la prochaine. Le départ de 117 dans le stade de la NF, il s'agit de Charles et Vincent. On va s'en servir de Pitigny.